Bonjour les citrons, j'espère que vous allez bien. Moi je vais très bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une vidéo assez particulière. Je dois dire, j'ai envie de trouver un autre mot spécial parce que j'ai toujours spécial. Et en fait aujourd'hui on va retourner sur les lieux de mon premier crime que j'ai effectué. Il s'agit là en fait de mon premier épisode que je n'ai jamais fait sur la version créative du jeu Movistar Planet. Donc je pense que vous savez de quoi je parle. En fait c'est mon premier film, enfin mon premier épisode de ma première série Movistar Planet. Alors vous moquez pas hein, ne jugez pas le titre que j'ai donné à cette série qui c'est, bah, je la trouve toujours aussi stylée hein, presque deux ans plus tard. Parce qu'effectivement, ça fait environ 2 ans que je l'avais sorti. Vous ne pouvez plus retrouver cet épisode sur ma chaîne, parce qu'il était sur l'ancienne chaîne, du coup actuellement ma chaîne IRL. Et du coup, je ne l'avais pas remise sur cette chaîne-ci, vous ne le trouverez pas. Et du coup, je l'ai appelé Sweet Nightmare. Ce que j'ai décidé de faire, c'est du coup de réagir à mon premier épisode. Et du coup, c'est le seul que j'ai fait, parce qu'après, je n'arrivais plus à tourner de vidéos sur Movistar Planet en tant que film, parce que je laguais trop avec mon compte. Donc, ce que j'ai décidé de faire, si vous êtes créateur de films, si vous êtes youtubeur, et si vous avez justement créé aussi un épisode ou une série, et que bah, pour la série, vous voulez que je montre le premier épisode de votre série, peut-être. En même temps, ça vous ferait un petit coup de publicité pour les gens qui seraient intéressés ensuite. Et du coup, je pourrais faire une genre de réaction à votre vidéo MSP, à savoir un peu dans le style des gachas actuellement qui sont très en vogue, les réactions aux gachas américains, etc. Sauf que moi, j'ai envie de donner un petit coup de pouce aux créateurs français sur la toile. Trêve de bavardage. Enfin, je vous explique, ça fait 2 ans. Et en 2 ans, je ne me rappelle plus de ce que j'ai fait. Je n'ai pas regardé du tout la vidéo juste pour que ma réaction soit en phase, en fait, tout simplement. Et bah écoutez, on va y aller. Je pense que vous aussi, vous avez envie de voir ce que j'ai fait il y a 2 ans, quoi. Allez, c'est parti. Donc, j'ai juste enlevé la musique, dont je rajouterai une musique au montage parce que les droits d'auteur, je ne les ai pas. Bah c'est voilà le petit erreur de débutante quand je commençais mes petites vidéos. Bah voilà, je prenais des musiques que je n'avais pas le droit d'utiliser. Sweet Nightmare. Ah. Je vais déjà arrêter là la vidéo parce que regardez-moi cette movie star qui elle pop en haut, en bas de l'écran, mais qu'est-ce que j'ai fait? Et à l'époque je trouvais ça stylé, mais c'est pas du tout stylé, c'est horrible. Pourquoi j'ai fait ça? Je vais faire genre, ouais, je sais faire du montage, t'as vu? Alors que non, c'est pas beau ce que t'as fait. Bon, en soi, après j'aime bien le fond que j'ai utilisé et on continue. L'écriture de Sweet Nightmare et tout, je trouve ça plutôt mignon. Alors l'interface, je me rappelle, j'avais mis 30 ans à la faire et je kiffais. Et si c'est la rentrée demain, première année en université. Je suis trop contente. Alors attendez. Pourquoi? Ah, ça va trop vite! Mais ça va trop vite, mais moi j'ai pas le temps de lire. Attendez. Alors Lexi, c'est la rentrée demain. Première année en université. Ah oui, j'avais mis une insulte, j'ai écrit, ça, je ne dirai pas, voilà. Je suis trop contente, hein, on va faire genre, youhou, je suis trop contente. Je vais m'amuser à faire ça maintenant. Un miracle qu'on soit toutes admises dans la même faculté. Oui, et plutôt merci à ton père d'avoir payé le dirlo de l'INIP pour qu'on soit prise. C'est pas avec vos notes pourries qu'on aurait réussi. Feu ta... ta bouche. Ta bouche. Oui, donc on est clairement là sur un style très classique et très original de vidéo qui parle de la scolarité. Bon après, hein, sans vous mentir, moi j'adore tout ce qui est scolarité, genre surtout université, lycée, etc. Moi j'adore les films et les séries qui reparlent de ça, ben voilà quoi, ça me remet dedans et puis j'aime bien, voilà. Moi j'aime bien et c'est pour ça aussi que j'en faisais aussi, donc j'ai beau cracher dessus, mais en fait je kiffe. Bref, on s'est bien amusé cet été, mais il est temps de se refaire une image. Objectif, comme au lycée. On est allé un peu fort au lycée, cette fois on devient les queens. Mais plus soft, ok, mais tu sais, j'ai toujours besoin de me défouler, perso. Tu as beau être ma sœur, Wenji, mais si tu me les brises, je t'en colle une. Ta gueule, toi aussi, tu me saoules, tu es né 2 minutes avant moi et ça se la pète, lol. Ferme vos bouches, sinon je saute vos bourses d'études et vous irez faire les chouins. Mon balèque de l'univ, je vais juste parce que Lexi va. Désolée, mais là, non, il y a 2 ans, je disais déjà chouin. Je disais déjà chouin il y a 2 ans.
Mais Kinzel, tu me choques. Il y a 2 ans, j'ai mis une vidéo en ligne en disant « chouin, ta gueule » et ce genre d'insulte. Mais bon, voilà, hein, comme je l'ai dit, pareil pour mes vidéos gacha, je vais pas mettre des adolescents qui disent « punaise, mince, zut ». Vous voyez, c'est un peu la réalité universitaire, scolaire, voilà. Et pour information, oui, les 2 filles aux cheveux noirs, c'est des sœurs jumelles, voilà. Donc, bon, je sais pas si ça se voit. Et on est dans le grand classique de la blonde qui est une peste avec ses 2 sbires. Voilà, c'est ce que j'ai essayé de faire. Maintenant, je commence à me rappeler. Je me rappelle plus à quoi ressemble le gentil. Il y a bien un personnage gentil dans cette histoire. On va aller voir ça. Oh, t'es chou, ma petite sœur. Bon, let's go, sinon on va être en retard le premier jour. Au même moment. Ok. Ah, c'était l'un de mes premiers looks sur Movistar Planet. C'est mon personnage. Arline, tu fous quoi? C'est le premier jour, il t'est fringué comme une vieille. Ah bon? Pourtant, à la fac, on s'habille comme des adultes, non? Oh, j'adore, en fait. Oui, dans les années 70, lol, maintenant, on y va. À Walpé, ça ne dérange plus personne. Rassure-moi, t'as pas consommé avant de venir me chercher. Ah, et en plus, tu me prends pour une alcoolo. Eh ben, t'as changé. Ah, en tout cas, les vacances à la campagne, c'était extra. Tu parles de l'herbe qui était extra ou des BG? Peut-être bien les deux, mais ce qui s'est passé au camping reste au camping. Tout à fait. Alors attendez, je mets en pause parce que là, vous voyez, rappelez-vous bien ce qui reste au camping, machin reste au camping. Bref, vu qu'il n'y a jamais eu d'épisode 2 et qu'il n'y aura jamais d'épisode 2 étant donné que c'était il y a 2 ans, il était censé y avoir une intrigue avec un garçon du camping avec qui elle aurait eu une aventure dans l'université. Forcément, je pense que ça, tout le monde, je ne tease rien, vous l'avez tous deviné au moment où ça a été écrit sur l'écran, que bah voilà. Tout à fait. Bon, ma chérie, ce serait bête d'être en retard le premier jour. Qui remplace les mots. Ok. Bah pour l'instant, ça a l'air plutôt pas mal. Ah, nous voici avec nos pestes. Mais qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce que tu veux, Esteban? Merci d'accueil, bah je t'ai snappé hier, tu m'as pas répondu. T'as pas compris que j'ai déjà un copain? Envoie-lui des nudes et il arrêtera de te coller. Non, Kinzel, pourquoi t'as mis ça? Oui, là on est clairement sur une situation de tromperie. Il y a une tromperie dans l'air. Comme vous l'avez certainement compris, bah même moi je me rappelais même plus de ça en fait, mais Kinzel. Oh. Non, en fait, oui, effectivement, elle a eu une aventure avec ce jeune garçon, d'après ce qu'on a compris, mais elle a un copain, mais ça s'est passé pendant les vacances. Et là, par contre, j'ai pas compris la réplique. On va lui des nudes et il arrêtera de te coller. Oh mon dieu, non, non. Mais quel exemple, Kinzel. Bande de chouins, quand ton copain t'aura largué comme une merde, tu vas pleurer. Ouais, c'est ça, mais moi, personne me largue, t'as compris, gros débile? Oh non, gros débile. Désolée, j'en peux plus de ma série, mais what? Mais pourquoi? Oui, en plus, ça, c'est, genre, c'est la série, elle est jamais sortie sur Movistar Planet, hein, parce que je me serais fait bannir direct avec tous les mots et les situations assez très malsaines et contextuelles, j'ai envie de te dire. Non, ma série, là, je l'avais juste teasée sur Movistar Planet en disant, si vous voulez la voir, venez sur ma chaîne, parce que du coup, je ne pouvais pas mettre ça sur Movistar Planet. Et puis même, le problème sur Movistar Planet aussi, c'est qu'on peut faire que des mini-scènes, en fait, des scènes limitées. C'est-à-dire on peut jamais faire, on pourra pas faire, je crois, un film maximum, ça doit être 2-3 minutes. Et là, mon épisode, il dure un peu plus de 5 minutes, je crois. Et du coup, on peut pas mettre 5 minutes entières sur Movistar Planet, on est obligé de faire en plusieurs parties. Et du coup, moi, je préférais faire un montage directement sur YouTube. Bref, je peux pas dire ça après ce qu'on a vécu. Oh non, le pauvre, il a le cœur brisé. Chouin! Tu es une chouin, Alexis. Tu es une chouin. Il entend quoi pas ce qu'on a vécu? Tu... Non, mais c'est bon, on s'en fout, merde. Pourquoi elle a marché dans le mur? Ah, je vois. Comment je vais faire si Esteban balance tout? Ah, Danae. Ah non, mais non, Lexi, c'est elle, et Danae, c'est elle. Même moi, je me trompe dans les prénoms, quoi. Après les cours. Qu'est-ce qui se passe après les cours? Lol, c'est trop drôle, elle me raconte des blagues. Mais qu'est-ce qui t'arrive? Te retourne surtout pas. Bah oui, meuf, elle se retourne direct. T'es sérieuse? Tu dis ça exprès pour que je regarde?
c'est pas lui le BG avec qui t'as flirté au camping, et bah forcément, forcément, qu'une manière de le savoir. Car, c'est toi. Il y avait combien de chances qu'on se retrouve dans la même PAC? Est-ce que quand tu présentes ton meilleur pote, c'est quand tu présentes ton meilleur pote à ces deux belles nanas? Ça se dit encore, nana? Lol. En tout cas, ça fait plaisir, j'espère qu'on aura des cours ensemble. J'espère aussi. Et sinon, tu viens à notre petite fête privée ce soir, je vous invite. Ouais, direct. Calme-toi, Hilary. Merci, Karl. On va y réfléchir. Je te tiens au courant. Je comprends pas pourquoi tu veux pas y aller. On les connaît pas, ces gars. Et puis, demain, on a cours. Meuf, réveille-toi, c'est la fac qu'on va en cours ou pas, c'est pas noté, c'est un amphithéâtre. Tais-toi, c'est mon moment préféré du film. Mais ta gueule, tu changes de sujet, on est majeur, nous, faut profiter. J'ai horreur quand tu as raison, ok, mais il y a trois règles. Vas-y, je t'écoute. Quelles étaient ces règles? 1. On rentre pas trop tard. 2. On ne boit que les bouteilles fermées. Et 3. La plus importante, on ne se sépare jamais, ok? Je sais pas si je vais pouvoir tenir la A, mais ça me semble correct. Bon, je vais lui envoyer un texto, j'espère que je vais pas regretter. Et c'est la fin. Merci, voilà, et ça se finit comme ça. Franchement, je m'attendais à pire, je pensais, c'est pas si catastrophe que ça. Ça va, je crois que ça va. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Est-ce que ça vous a plu ou pas, ce genre d'épisode, ou pas? Moi, je trouve que ça passe encore, même si c'est très, très, très le cliché. Voilà. Donc, vous aurez certainement dans la description le mail auquel vous pouvez m'envoyer ou me proposer, ou bien dans les commentaires directement, vous pouvez me dire, oui, voilà, viens sur ma chaîne, tu peux réagir à ma série ou à épisode tel, vous me donnez le nom de votre vidéo directement avec votre compte YouTube, comme ça, moi, je suis sûre que c'est bien vous qui avez envoyé ça. Et j'espère que cette vidéo, elle vous a plu, la réaction. Je réagis à ma première vidéo Movie Star Planet, en termes de série, hein, parce que ça c'était une vidéo, série, film, enfin, série qui n'a jamais continué, mais c'est pas grave, on adore quand même. En tout cas, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, à lâcher votre meilleur pouce bleu si ça vous a plu. Et moi sur ce, je vous laisse, je vous fais de très gros bisous.